Les Européens entrent dans le XXe siècle avec de grands espoirs pour l'avenir. C'est une ère de paix et de croissance économique. Plus de la moitié des Européens vit en milieu urbain. La révolution industrielle arrive à maturité. Les nouvelles inventions changent la vie de tout le monde. La créativité ne connaît pas de limite. L'art nouveau s'exprime différemment à travers l'Europe. Les plus importantes manifestations Art Nouveau réunissent plusieurs domaines artistiques autour du concept d'art total ou Gesamtkunstwerk. Tandis qu'on se déplace vers les villes, de nouveaux logements doivent être construits. Au début des années 1900, Helsinki voit son district de Skatuden se métamorphoser complètement. Les maisons de bois et les habitations insalubres se transforment en séduisants logements destinés aux classes aisées de la société. En 1904, Ålesund, un village entièrement construit en bois, est ravagé par un incendie. Les trois années suivantes sont consacrées à sa reconstruction. Le nouveau paysage urbain, fidèle à l'art nouveau, compte des logements pour tous. À Bruxelles, les écoles publiques d'Henri Jacobs sont conçues avec soin. Des logements pour travailleurs, équipés d'installations modernes, améliorent la vie des moins chanceux. Les artistes commencent à voir la nature différemment. Certains l'étudient avec la précision du botaniste, utilisant une fleur ou un arbre pour définir structure et rythme. D'autres l'emploient de manière plus abstraite, en créant des formes et des lignes organiques. Les urbanistes commencent à penser autrement. Des parcs et des espaces publics sont créés dans les nouveaux quartiers. Après le grand tremblement de terre de Ljubljana, le parc slovène est construit au cœur de la ville. La nature elle-même entre à l'intérieur sous la forme de jardins d'hiver. L'une des principales idées de l'architecte belge Victor Horta consiste à laisser la lumière naturelle pénétrer au cœur de ces bâtiments. Avec les barons de l'industrie, d'énormes fortunes et de nouveaux capitalistes font leur apparition. La richesse de l'art nouveau exprime la richesse des hommes. Seuls les plus aisés peuvent s'offrir une œuvre d'art totale, où chaque détail est conçu sur mesure. Les artistes tentent parfois d'intégrer des références aux propriétaires. En Lombardie, la villa des propriétaires d'une soierie est décorée de verre à soie. L'industrie textile est la première industrie à se développer dans toute l'Europe. À Vouch et à Terrassa, les usines sont conçues dans le style Art Nouveau. La production industrielle nécessite davantage de marchés internationaux. L'amélioration des communications facilite la diffusion des idées dans le monde entier. Le concept moderne de mode voit le jour.
L'industrie adopte l'art nouveau alors que le style commence à être commercialisé. Les produits et les éléments architecturaux sont fabriqués en grande série. Les périodiques spécialisés dans les arts décoratifs diffusent le nouveau style. Dans les maisons Art Nouveau de La Havane, les éléments ornementaux sont en grande partie préfabriqués. Les immigrés catalans les associent au trencadís artisanal, une technique de mosaïque superposée de verres colorés. L'artiste pluridisciplinaire Émile Gallet est sans doute le membre le plus célèbre de l'école de Nancy. Ses verreries rencontrent un énorme succès. La journée de travail est longue et difficile. Les conditions sont bruyantes, parfois toxiques. La plupart des pays industrialisés ont interdit le travail des enfants. Des grèves sont menées pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail. Le 1er mai est déclaré Journée mondiale du travail. Le mouvement vise avant tout à limiter la journée de travail à 8 heures. Les travailleurs s'unissent en syndicats et en partis socialistes. Des lieux de rencontre sont établis à travers l'Europe. Les femmes abandonnent les corsets. Les transformations de la mode entraîneraient-elles un assouplissement dans le siècle nouveau? La lutte pour l'égalité des sexes s'intensifie alors que les femmes réclament un nouveau rôle dans la société. En 1906, la Finlande est le premier pays à accorder aux femmes le droit de vote et de se présenter au Parlement. Les Glasgow Girls ont influencé le style moderne et obtiennent une reconnaissance mondiale pour leur artisanat d'art. Kate Cranston, propriétaire du Willow Tea Rooms et femme d'affaires indépendante, demande au jeune designer de Glasgow de décorer son salon de thé dans le tout nouveau style. La vie urbaine et les heures de travail réglementées font apparaître un nouveau concept, les loisirs. Les événements sportifs, le théâtre et le cinéma connaissent un grand succès. Les premières grandes stars, comme l'actrice Sarah Bernhardt, apparaissent sur la scène. La nouvelle mode chez les classes moyennes et supérieures consiste à passer le week-end à la campagne. Le tourisme de masse fait son apparition. De nouveaux complexes hôteliers sont construits autour des lacs de Lombardie, permettant aux touristes de profiter de la beauté naturelle du paysage. Varèse, située au pied des Préalpes, est la principale attraction en plein air de la bourgeoisie, fuyant la ville industrielle de Milan. La réforme sur la santé et le style de vie est à l'ordre du jour. Le Danois Jørgen Peter Müller, qui a remporté un concours de beauté masculine, recommande de faire 15 minutes d'exercice par jour pour garder la santé. Sébastien Kneipp soutient que le pain complet des pauvres paysans est plus sain que le pain blanc des riches. Il recommande une cure hydrique consistant à prendre des bains chauds et froids. Les villes thermales connaissent un grand succès.
À Bad Nauheim, de grandes installations thermales sont construites dans le style Art Nouveau. En 1908, les premiers bains publics, pour hommes et femmes, font leur apparition en Allemagne. Pour traiter la tuberculose, il est recommandé d'effectuer un séjour dans un sanatorium, loin de l'air pollué de la ville. Les pavillons hospitaliers entourés de végétation sont en vogue. À Reus, à l'hôpital Pere Mata de Luis Domenech y Montaner, les plus riches bénéficient d'un pavillon indépendant. De nouvelles pratiques funéraires voient le jour. Le crématorium moderne de la Chaux-de-Fonds est jugé hygiénique et permet de gagner de l'espace. Les bateaux à vapeur et les trains facilitent les déplacements en Europe. Avec l'augmentation des transports, il est devenu plus simple pour les Européens d'étudier et de travailler à l'étranger. L'architecte slovène Jože Plečnik étudie à Vienne et exerce également à Prague et à Ljubljana. L'artiste tchèque Alfons Mucha a de nombreux clients étrangers. Il a transformé les commandes commerciales en projets artistiques. À Paris, le magasin de Siegfried Bing a donné son nom au style. Bing apprécie l'art japonais, une source d'inspiration essentielle pour les artistes de l'art nouveau. De nouvelles inventions et créations esthétiques sont présentées lors d'expositions internationales. Les salons internationaux sont le lieu d'expression des identités régionales et nationales. Les Finlandais réclament leur indépendance à la Russie. L'architecture romantique nationale est un moyen très concret d'afficher l'identité nationale. Dans le climat joyeux de l'indépendance norvégienne, de nombreuses maisons d'Ålesund affichent des motifs inspirés des dragons et du style nordique. Dans la ville de Riga, le romantisme national est l'une des principales expressions de l'art nouveau letton. Barcelone, la capitale catalane, connaît une renaissance culturelle. Possédant une langue distincte et une longue histoire culturelle, les architectes de la Renaissance catalane tentent de raviver et de réinterpréter l'art et l'architecture de l'époque glorieuse de Catalogne avant l'annexion par l'Espagne. Vivant de manière monacale, Antoni Gaudi loue Dieu à travers l'architecture. Soutenu par le comte Zbigniew, il se lance dans des projets impossibles et matérialise ses visions artistiques et sensuelles dans toute la ville de Barcelone. La plupart des artistes parviennent à vivre correctement de leur profession. Victor Horta emploie un concept d'espace fluide dans son architecture. Les pièces sont reliées les unes aux autres et s'élèvent telles une plante d'un étage à un autre. Charles Rennie Mackintosh donne naissance à l'architecture et au mobilier moderne. C'est un esthète. Tant que c'est beau, peu importe si les chaises sont confortables ou non, ou si les tapis blancs sont plus difficiles à entretenir. Henri van de Velde, peintre de formation, devient architecte et décorateur. Il tente d'améliorer la société grâce à son art. Le décorateur Louis Majorel transforme l'entreprise familiale en chaîne de magasins. Sa villa à Nancy se trouve juste derrière son usine. Les vies des artistes de l'époque de l'art nouveau sont aussi différentes que leurs arts. Mais ils partagent une passion. Ils veulent exprimer leur époque, entrant dans un nouveau siècle, la nouvelle vie.